Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre rendez-vous d'amour avec le Christ, où nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier en ce jour avec l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 11, les versets 37 à 41. En ce jour-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. » Insensé. Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous autant que nous sommes ce matin, nous sommes comme des tombeaux blanchis. Nous sommes comme les pharisiens et nous avons tendance à cacher ce que nous sommes pour montrer aux yeux du monde ce que le monde a envie de voir. Nous vivons aujourd'hui dans une société où la réalité n'est plus d'actualité. Nous avons même du mal à nous regarder en face et à accepter ce que nous sommes, avec nos imperfections, avec nos défauts. Et même quand nous venons à toi, Seigneur Jésus, nous avons cette tendance à paraître et non à être. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas faire semblant avec toi. Ce matin, en écoutant ta parole, Seigneur, nous voulons nous laisser véritablement séduire par toi et enlever tous les masques que nous avons portés, Seigneur. Personne ne peut te mentir, Seigneur. Personne ne peut être, Seigneur, différent de ce qu'il est réellement devant toi. Parce que oui, tu l'as dit, Seigneur, dans cet évangile, celui qui a fait l'extérieur a aussi fait l'intérieur. Tu nous connais, Seigneur, de l'intérieur comme tu nous connais de l'extérieur. Et rien, Seigneur, à tes yeux n'est caché. Rien de nos vies, Seigneur, n'est caché devant toi. C'est pourquoi nous venons nous jeter à tes pieds ce matin, Seigneur, pour te demander sincèrement pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons vécu dans le mensonge. Pardon, Seigneur, pour les mensonges, Seigneur. Pour les mensonges qui ont duré et perduré dans nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons pris goût aux mensonges. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous aimons le mensonge. Nous aimons paraître, nous ne voulons pas être, Seigneur. Nous te demandons sincèrement pardon ce matin parce que nous mentons à tout le monde. Nous n'arrêtons pas de mentir à nous-mêmes, à ceux qui nous entourent, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour, Seigneur, les doubles vies que nous menons. Pardon, Seigneur, pour ce que nous cachons dans le secret. Pardon, Seigneur, pour n'avoir pas toujours le courage de venir à toi tel que nous sommes, avec nos imperfections, avec nos péchés, Seigneur. Même les péchés les plus sales, les péchés que nous avons honte de confesser, Seigneur. Nous venons devant toi en ce matin, ô Dieu notre Père, pour te demander sincèrement pardon. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Et si, Seigneur, nous te cachons nos fautes, qui nous purifiera, Seigneur? Ce matin, nous voulons nous laisser purifier par toi. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Purifie-moi, Seigneur, Jésus, ô mon sauveur. Purifie-moi, Seigneur,
nous te prions, Seigneur, pour cette journée et pour tous les jours de nos vies. Et nous te demandons ce matin, Saint-Esprit, de venir nous dépouiller de la chair, de venir ce matin nous dépouiller de tout ce qui en nous fait que nous sommes faux. Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité. Et ce matin, nous venons encore te demander de nous remplir de ta vérité. Donne-nous d'être vrais, comme les apôtres, comme les martyrs. Donne-nous d'être vrais avec toi, Seigneur. D'être vrais partout où nous allons, Seigneur. Que nous ne soyons pas tièdes, Seigneur, parce que tu vomis les tièdes. Nous voulons être dans la vérité, quel que soit ce que cela nous coûte, Seigneur. Donne-nous d'être toujours dans la vérité, de marcher toujours dans la vérité, Seigneur. Ta parole est vérité. Que cette parole transforme nos vies en ce jour, par la puissance du Saint-Esprit et par l'intercession de notre Mère, la bienheureuse Vierge Marie. Nous te disons merci, Seigneur. Merci car tu nous as déjà précédés dans cette journée. Et nous savons, Seigneur, qu'à chaque pas, tu nous guideras. Nous savons, Seigneur, que chacune de nos actions sera, Seigneur, éclairée par la lumière de ton esprit. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.